Exécution surprise. Dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Surprise. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Hey, comment ça va? J'ai réussi à intégrer l'équipe de nanobots qui reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec, je fais une pause, là. Une pause. Oh. Ah! 5 petites salles et c'est... Hein? Tu vas pas me renvoyer pour ça? Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin, bref. 5 petites salles et c'est bon. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc la situation est au final plutôt drôle. J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous.
Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Hé, Paris, je parle dans un accent qu'on peut pas entendre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Courez! Vite, allez, je ferme les portes! Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper, là, maintenant. Alors, on court! Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve! Oh!